Le Soudan du Sud est sous la menace de la famine du fait du coût élevé des denrées alimentaires après 2 ans d'une guerre civile marquée par de graves atrocités, avertit l'ONU. Malgré l'accord de paix de mars dernier, les combats continuent et des zones entières dans la région de l'Unité dans le nord sont sous la menace de la famine, d'après des experts de la FAO qui font état de malnutrition aiguë et d'insécurité alimentaire. Les perspectives de la FAO font état de l'épuisement rapide des réserves de nourriture et la suite du cycle des mauvaises récoltes alors que les prix des denrées alimentaires ont atteint des niveaux records. Le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, a du mal à endiguer l'inflation galopante causée par la guerre, la corruption et le quasi-effondrement de l'industrie pétrolière. Le conflit au Soudan du Sud a éclaté fin 2013 à la suite des dissensions entre les forces fidèles au président Salva Kiir et les rebelles alliés à son ancien vice-président Riek Machar.